quand même avec des petites toiles. Quoi. La voile moyenne, ça va être 4 mètres carrés. Quoi. Mais chez nous aussi, mais on a moins de vent. Tu vois, on a plus l'habitude de naviguer dans du lait, j'ai l'impression. C'est de la folie, ça va être fou, ça va être dingue. Du coup, ta planche pour échanger les fights, s'il te plaît. Tu plaques. Ouais, au début, ouais, carrément. Les 750, je suis pas étonné parce qu'il n'y a pas de portant, c'est normal, c'est pas fait pour, c'est fait pour le baston. Hein. Après, agréablement surpris, franchement, aussi bien par la planche, par le foil. Franchement, il est joueur. Bon, les voiles, je les connais parce que c'est ma voile. Très, très bon matos, ouais. Très léger, c'est vif, changement de quart à quart, c'est. Alors, moi, j'ai l'habitude d'un peu des planches un peu plus longues et fines, et du coup, le changement de quart à quart, il est un peu plus radical, un peu plus vif, quoi. Ouais, carrément. Après, non, bien. Tu vois, t'as ressenti du coup ouais, j'aime bien, c'est super, super glague là, quand t'as des vagues. Il va tout droit, ça trace bien, non, c'est chouette. Même par rapport à la Flyer 1300, dans la houle, t'as moins l'impression de devoir faire du pied avant, tu vois. Bah t'as un gros gap, hein. Tu passes de 130 à 95, t'as 30 litres de différence. Ah, ça va, je me démerde quand même, je pensais pas y arriver, tu vois. Bah ouais. Et c'est un peu galère à partir parce qu'elle est trop petite. Après, une fois que c'est parti, c'est t'as une sensation. Un vieux qui passe à côté de moi, il pompait. Ouais, il a fait tomber là, il y avait pas de vent. Ça fait 3 jours que je fais des sessions, je rentre en rame. Ah ouais. Ah, ça vole. Ouais. Ça m'avait fait ramer au retour. Ouais, cool. Ouais, j'ai vu ça. Mais non, elle est bien. Ouais, t'es voilà. Bien. Ah ouais. J'ai réussi à vraiment passer mon premier jet pour la première fois, là, d'entrer le premier jet fait. Ah ouais, ouais. Ça c'est bon signe. Parce que ça tourne mieux quand même que le foil que j'ai. T'en as pensé quoi du coup du 1450 Franchement, je te dis, pour le peu que j'ai navigué, ouais, c'est beaucoup plus nerveux que ce que j'ai bien aimé. Ça décollait bien quand même. J'arrivais bien à décoller des deux côtés. Ah ouais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai senti, tu vois, moi le mien, quand j'engage le virage pour faire le jibe, j'ai l'impression qu'il me freine en fait. Ouais. Que celui-là, voilà, ça a été plus fluide. Il est passé tout seul le virage. Je m'attendais pas à ça. J'avais pas beaucoup de vitesse, hop, il a tourné, il est reparti. Il est même resté en l'air, il s'est pas reposé alors que j'avais pas vu du tout. Moi, c'est beau. Hein. Ouais, bah tu peux passer à la loi aussi après, il faudra des tips aussi. Ouais, mais je connais bien le patin. Bon, ben merci en tout cas, c'était super cool. Super journée, on était à Sifour avec Aloha Surf Shop et c'était trop cool. C'est vraiment éclaté, il y avait plein de monde. Tout le monde a pu tester du matos, super ambiance sur l'eau, tout le monde était content. Et bah c'est carrément le but des AFSD. Donc on est content, on a pu essayer de changer, filer plus de conseils possibles. Et voilà.